Oui, j'oubliais, je devais répondre à une question. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre Mac ou Windows? Le truc, c'est simple. Si vous prenez un Mac, allons dire, vous allez avoir le prestige. Oui, j'ai un Mac. Il y a une certaine performance déjà de base. C'est joli, il faut pas le nier. C'est joli, c'est beau à voir. Et aussi, quand tu dis à quelqu'un, ouais, j'ai un Mac, tu vois? Tu vois, c'est ça le truc. Mais maintenant, le souci avec un Mac, c'est que ça sera compliqué si vous débutez et vous voulez avoir des logiciels crack, des plugins, des choses comme ça. C'est compliqué dans le sens où il faudra tout acheter, les gars. Parce qu'en fait, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent des Macs. Donc, si moi, je suis un craqueur de logiciels, je vais cibler la masse. Tu vois, donc forcément en prenant le Mac, vous aurez cette difficulté-là à accéder à des logiciels crack, des trucs comme ça. Mais maintenant, si vous avez les sous nécessaires, vous prenez votre abonnement chez Adobe Premiere Pro, toute la suite Adobe, allons dire vous avez les moyens, donc forcément vous pouvez vous lancer sur Apple. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avec Windows, en prenant un PC comme ça, on peut faire une liste de ses besoins et acheter les composants qu'on a besoin et les mettre à l'intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose de préfabriqué, mais vraiment quelque chose que... Voilà, vous avez compris. J'ai besoin de plus de RAM, je rajoute de la RAM, j'ai besoin de plus de mémoire vive, j'ai besoin d'une meilleure carte graphique, j'achète une carte graphique, je l'installe. Mais chez Mac, la politique est différente. Je sais qu'il y a des personnalisations qui peuvent être faites, mais ça coûte cher, les gars. Donc, si vous avez l'argent et vous ne voulez pas perdre de temps à personnaliser des trucs comme ça, allez chez Mac, les gars. Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup de ressources et vous souhaitez avoir de la performance, Windows, les gars. Yes. Et il faut bien choisir parce que tous les composants ne sont pas compatibles. Yes, I. À plus.